Ça va matin? Hein? Comment ça va matin? Bienvenue à Deux Cafés avec Sensei. On est en direct. Ça paraît pas pantoute que c'est la prise de gorgée de café. Ah! C'est ton spectacle de développement holistique de l'individu sur YouTube tous les, euh, toutes les semaines. Donc, bienvenue à toi. Merci de passer ton matin avec moi et euh, de. de, de D'endurer cette voix suave du matin. <laughs> C'est la voix quand tu te manques deux, trois cafés ou deux, trois heures de sommeil et ou deux, trois, trois clots de pastilles direct dans la gorge. Je suis toujours aussi bien caféiné et mon nom est encore Sensei Pascal. Tu peux me suivre sur mes réseaux euh, sociaux. Encore une fois, merci à toi d'avoir choisi notre chaîne YouTube aujourd'hui pour ta formation euh, holistique. Et on touche à un sujet formation holistique. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire, ce holistique Qu'est-ce que ça veut dire ça a l'air bizarre, ça a l'air mystique. Faut-tu m'acheter des, des manches de magicien? Non, tu n'as pas besoin de t'acheter des manches de magicien. Ça veut tout simplement dire le développement de euh, l'être humain dans toutes ses euh, dimensions, c'est-à-dire le physique, le psychologique, le spirituel. Euh, tout ça est travaillé euh, ensemble. C'est ce qu'on fait d'ailleurs à Spartan Fit euh, à Saint-Julie, mon centre d'entraînement fonctionnel auquel tu es euh, invité pour ton essai gratuit. Donc, euh, on discute de fitness, on discute de, de ton système immunitaire, de psychologie. Et. Euh, Aujourd'hui, on rentre justement dans ce sujet-là, mais à travers une de mes activités, sinon mon activité préférée dans toute la planète, c'est-à-dire la randonnée. Donc, la randonnée, mais surtout son effet spécifique et précis sur ton cerveau. Et ce que je te propose ce matin, c'est un résumé de lecture que j'ai fait récemment, une étude effectuée par la Stanford University. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est pas un diplôme trouvé sur Internet. Um, du département de psychologie entre autres qui a été publié euh, récemment fait comme tu, on y va dans tu dons là genre là ouais j'ai fait une phrase en français je sais pas on y va avec euh, la, mon résumé de, <laughs> de lecture aujourd'hui donc randonnée et ses effets sur ton euh, cerveau dans l'étude qui a été publiée dans le Proceedings of the National Academy of Sciences par l'Université Stanford, une équipe de chercheurs que tu pourras consulter avec le lien dans la description. Chaque sujet dont je discute à deux cafés avec Sensei, toutes mes références, tu peux les avoir directement dans la description de vidéo. D'ailleurs, dans la description de vidéo, c'est aussi là tu vas pouvoir présentement laisser des commentaires sur le chat. Donc, si tu veux discuter avec nous de ce sujet, des randonnées, des bienfaits que les rando en nature t'ont apportés, des questions sur les courses à obstacles, si tu as des questions sur les exercices fonctionnels, tu es le bienvenu aussi. Aucun problème, je vais lui répondre avec grand plaisir. Si on revient avec la mise en contexte de l'étude de Stanford, um, 50% de la population présentement qui vit en milieu urbain, ce pourcentage-là va augmenter à 70% d'ici 2050. De là la pertinence du sujet parce que l'urbanisation, dans l'état actuel de la littérature, l'urbanisation qui affecte négativement, ça a été prouvé et c'est aussi ça fait partie aussi de la culture populaire. Euh, L'urbanisation qui affecte négativement les capacités cognitives et émotionnelles des euh, individus. Et ça a été prouvé hein, par différents protocoles d'études qui sont, euh, euh, entre autres, là, euh, référencés dans euh, celle dont je te parle aujourd'hui, celle de l'Université Stanford. Et si tu veux, si, 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 sincèrement, si tu veux te perdre... Euh, de façon positive, c'est-à-dire d'aller chercher plus loin dans le sujet que je touche aujourd'hui. Tu vas en trouver de la référence pour euh, une journée de lecture sans arrêt. Euh, il a fallu moi-même que je me limite parce que euh, sinon j'aurais mangé tout ce contenu. On n'aurait pas eu de live à matin. <laughs> Donc, la proximité d'espace, euh, despace qui correspond à un sentiment de bien-être, c'est une autre étude qui a été faite, qui a été référencée par Stanford. Quand on parle de cette étude, de ces 10 000 sujets, sur 20 ans. Donc, euh, le, bassin, euh, le bassin expérimental est très important. Il euh, y en a aussi d'autres qui ont prouvé qu'avoir une enfance en milieu rural euh, versus en milieu urbain avait euh, un, un affect positif sur la réactivité au stress, c'est-à-dire que les individus qui ont grandi dans un milieu rural avaient une réactivité moins grande au stress que les gens qui ont grandi en milieu urbain. Une chose que je trouvais vraiment cool, c'est les fenêtres. Les fenêtres là-dedans. <laughs> T'imagines le... <laughs> les scientifiques avec le cerveau là. C'est bien beau les cortex de cerveau, mais qu'y en a-t-il des fenêtres <laughs> C'est quoi C'est quoi là toi avec tes fenêtres Tu train de parler de portes. Tu les porte y as quoi Tu es sur des portes « Oui, j'aimerais savoir le contenu scientifique d'une porte passion. <laughs> Parce que c'est sûr que scientifique qui est passionné par les fenêtres et les portes passio parlent de même. <laughs> Euh, donc, mais c il y a vraiment eu une étude là-dessus. Les fenêtres avec un panorama naturel versus les panoramas urbains, n'est-ce pas? <laughs> on veut regarder du monde qui regarde à travers des fenêtres, puis on prend des notes avec des pads. <laughs> tu du monde. Ben là, je suis devant la fenêtre, je fais quoi? Vous ne faites rien, ne bougez plus. Ah, <laughs> oh man, je prépare ça pendant une heure là-dessus. <laughs> Juste des fenêtres. Ah, hey, sérieux. C'est encore plus cool si c'est les fenêtres comme dans passe-partout, c'est-à-dire des fenêtres sur ça qui mènent absolument nulle part. <laughs> c'est vraiment pas une référence passe-partout, si comprends pas. On est. Euh, euh, j'ai pas dit passe-partout, j'ai dit passe-partout. Um, c'est vraiment une référence pour les, euh, les gens. Ah, oh, ça trahit mon art. Je suis du Québec, tu comprends. Sinon, je en train de rire tout seul. Mais pour en provenir aux fenêtres. Enough with the windows. Pour en venir aux fenêtres avec panorama naturel versus sur le bain, ben les fenêtres avec des, des, des panoramas, ça stimule une meilleure mémoire, une plus grande attention et une résistance aux distractions. Voilà, tout ça pour les fenêtres. Ah! Mais qu'en est-il des comptoirs? Non, c'est assez expéri... <laughs> expérience. Les comptoirs en mélamine, sérieusement, tu regardes ça, tu es calme dans ton esprit mais s'il y avait beaucoup de motifs, c'est important, mesdames, c'est important lorsque vous choisissez vos comptoirs d'avoir un fini mélamine feng shui qui vous rappelle à tous le plaisir de la nature. <laughs> ah, all right. Uh, Discipliner, ça ne Discipline. « Expériences psychologiques qui ont aussi démontré que d'exposer un individu stressé à des images et sons d'environnement naturel diminuait le niveau de stress et autres émotions négatives. » Ce sont toutes des études que tu, auxquelles tu peux te référer pour vraiment voir le protocole. Oui, c'est des choses qui sont un peu dans la culture populaire. Par exemple, les sons d'environnement naturel, c'est rare que tu vas te coucher le soir et que tu vas faire ambiance de trafic à 3h37. « Oh, là, on dort! » Avec les sacres inclus, euh, évidemment. Mais dans l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, la question principale, c'est justement le comment du pourquoi. Donc, quels sont les processus liés à l'expérience en nature qui pourraient prévenir, entre autres, le développement de maladies mentales, l'anxiété, la dépression, euh, ou la stimulation du cortex pré frontal, pré -frontal euh, me ventro médian? Donc, tu le vois ici sur, euh, sur l'image, c'est euh, le devant du cerveau. Donc, euh, comme ça, ici, à peu, je vais faire le modèle de cerveau. Comme ça, c'est comme ça, là-dedans. Là donc, c'est en avant. Le, le, le point que tu vois surligné, c'est euh, la partie avant du, euh, du cerveau. Donc, cette région du cerveau est principalement euh, euh, est liée à euh, l'anxiété, la dépression. Donc, ça faisait partie du euh, protocole de, de recherche. Et pour ce faire, l'expérience contrôlée pour justement... Euh, Mesurer l'influence, ce que l'université Stanford, c'est une expérience contrôlée pour mesurer l'influence des expériences en nature sur la rumination. Donc, c'est vraiment un processus psychologique euh, connu et euh, euh, dont la nomenclature existe. La rumination, qui sont des pensées négatives, égocentriques, répétitives. J'adore la, la, euh, la définition. Donc, quand il est pris dans un, dans un cycle constant de pensées négatives, qui euh, t'affecte. Quand, quand on dit égocentrique, c'est euh, la rumination, c'est souvent des pensées sur euh, soi-même, l'état de notre vie. Donc, c'est des pensées réflexives sur l'individu qui sont majoritairement négatives et qui sont en, en arrêt, qui sont en, en, en fait en, en loop constant. C'est ce qu'on appelle la rumination. Évidemment, tu auras compris que ce type de pensée est lié à, à la dépression et autres troubles psychologiques. Euh, L'équipe de, de chercheurs, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui provient de l'Université Stanford et autres, euh, ça vaut la peine de regarder euh, le texte de recherche que j'ai mis en, en lien pour pouvoir euh, voir, euh, entre autres, les, euh, les chercheurs et intervenants qui euh, sont spécialisés, entre autres, dans l'étude du cerveau. Donc, ce n'est pas juste au côté psychologique qu'on va avoir euh, la, 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 la recherche aujourd'hui, le, le niveau de recherche, mais aussi du côté neurobiologique. Le contexte a été, en fait, une données de 90 minutes comparatives en milieu urbain et en environnement euh, naturel. Donc, il y a eu euh, 38 participants qui ont été choisis, 38 participants sciemment choisis qui, qui n'avaient aucun un épisode de maladie mentale au, euh, auparavant, mais qui vivaient dans un milieu urbain. Donc, on voulait vraiment, euh, du côté de Stanford, de niveler ou s'assurer que euh, ces variables étaient contrôlées euh, du côté de l'étude. Dans la méthodologie, premièrement, ce qu'on faisait faire aux participants. C'est un questionnaire, des questionnaires standardisés sur les ruminations. Donc, selon un certain protocole de questions, il y avait un questionnaire qui était passé avant euh, la marche ou la randonnée et il y avait un questionnaire qui était passé à, après la randonnée. Et aussi, dans les comparaisons... Une, une imagerie cérébrale qui démontrait le flux sanguin dans la région du cerveau pertinent dont on a parlé euh, tantôt, qu'on va euh, ici à dire SGPVC, donc PVC, PFC plus PVC. On veut savoir, euh, Coudon, c'est quoi l'affect psychologique des matériaux qu'on peut mettre autour d'une piscine? <laughs> Moi, j'ai mis des cailloux blancs. Depuis ce temps-là, sincèrement, chez nous, c'est Fenchoui, j'ai sauvé mon mariage. <laughs> Non, c'est plus le cortex préfrontal préfrontal. Sérieusement, je vais appeler la roue. Je vais dire là, là, ce R-là, il faut l'enlever. Ça ne marche pas avec mon dentier. Donc, cortex préfrontal. <laughs> ventreau euh, médian. Donc, euh, voilà, on voulait mesurer euh, ce que l'activité euh, en tant que telle, la randonnée, allait apporter comme flux sanguin. Pourquoi cette technique-là? Parce que souvent, on va avoir l'imagerie avec euh, l'activité cérébrale. Pourquoi le flux sanguin? Cette technique est davantage pertinente pour déterminer les effets à, à long terme sur le cerveau. Donc, on voit vraiment euh, ce que le, euh, où le sang s'en va. Donc, quels sont les requis ou quelles sont les fonctions du cerveau, les régions du cerveau qui sont le plus sollicitées. Um, et du côté du niveau de condition physique, la difficulté des, randonn des randonnées et les autres variables physiologiques qui étaient mesurées et considérées dans les résultats. Donc, pour ne pas non plus que, par exemple, un rythme sanguin, un rythme cardiaque plus élevé euh, influence le flux sanguin dans la région euh, du euh, PFC. Donc, tout ça a été pris en compte dans euh, l'étude euh, dont on, on, je vais te parler. la randonnée en nature ont été faites dans... Euh, près de Stanford et la marche en ville a été faite le long d'une artère très populaire, trois euh, à quatre voies dans chaque direction. Fait vraiment un, un, un boulevard dans le fond, quasiment proche, une autoroute, tandis que la rando en nature, c'était un, un parc près de l'université, par exemple. Dans les résultats qu'on a euh, re, recueillis par, euh, par la suite, euh, qui, sont, euh, qui sont intéressants, mais en même temps, c'est pas surprenant, mais là, on a... Euh, une preuve scientifique avec des chiffres et une méthodologie à l'appui pour comprendre surtout, comprendre le, le, le pourquoi. Dans les états de rumination, euh, rumination euh, diminuer après la randonnée en nature, on le voit ici, donc on a, le, tu vois le graphique, c'est en fait « Main change in rumination ». Ce sont les comparaisons des euh, questionnaires avant et après la randonnée. Euh, on voit du côté des gens qui ont eu, euh, c'était divisés de façon complètement aléatoire. Euh, dans, les, dans les participants, on a dit 38 tout à l'heure, en a 19 qui sont allés en milieu urbain, 19 qui sont allés dans le parc près de Stanford, qui ont fait des loops déjà prédéterminés. Euh, et le questionnaire, on le voit, les gens qui ont effectué la randonnée en nature ont euh, ensuite signalé des états de rumination euh, diminués d'un bon pourcentage, alors que les gens qui sont allés marcher dans le trafic... <laughs> Ça a été du tel que tel. Du côté de la circulation euh, sanguine du euh, cortex préfrontal ventromédian, donc le PFC, tu le vois ici avec l'imagerie. Euh, et le résultat ensuite euh, colligé des gens qui ont, euh, qui ont marché en nature, le, le, le pourcentage ou plutôt la quantité de sang selon un intervalle de temps qui s'est euh, rendu dans euh, le cortex qui est euh, pertinent, était de beaucoup diminuer dans le groupe, le sous-groupe qui est allé marcher en nature par rapport... Euh, au groupe qui est allé euh, marcher dans, 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 dans le trafic, dans l'artère euh, principale, avec les, les bruits, euh, l'ambiance euh, qu'on connaît au, euh, au, euh, au trafic. Et euh, d'ailleurs, on va faire un peu d'expérience ensemble. Mais tu vois ici, avec l'imagerie, je trouve l'imagerie vraiment, vraiment très cool, euh, que là, on, on sait comment l'expérience en nature fonctionne, comment ça affecte le, le, le cerveau de façon directe, pas juste avec des... Des, 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 des dires ou des, euh, des interprétations euh, personnelles de l'expérience parce que c'est aussi pris en compte bon, on voit du côté neurobiologique comment ça se manifeste également euh, si on vient, gabin ça gabin ça, on va faire un petit test un petit test, check ben, on check ça on check ça on check ça On check ça. Ah, une dernière fois. En dernière fois. je me sens pas ce sur ou sous. Ah non, ça, c'était le nœud papillon. Allez, là. comment... Fais juste le test comme ça. Là, essaie de diminuer les, 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 les distractions sonores autour de toi. Là, puis juste regarder l'écran. Puis de, de, de voir comment tu vas te sentir quasiment instantanément. Qu'est-ce qui te vient comme, comme émotion? On y va. Good. Même chose. On repart. Je ne sais pas pour toi, mais de mon, euh, de mon côté, c'est presque instantané qu'il y a un sentiment de bien-être qui rentre dès qu'on euh, qu qu a l'image de, de nature en face de nous. Euh, ça, 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 le fait, ça, le fait, ça le fait tout seul. On pourrait aller dans, dans, dans le plus profond sur euh, le, le contact primal que l'humain a avec la nature parce qu'on retrouve nos fonctions naturelles. C'est un environnement qui, pour nous, euh, fait partie de l'expérience humaine. C'est un, un environnement qui est beaucoup plus... Euh, naturel, beaucoup plus normal, parce que nous sommes des animaux, il euh, faut le dire, là, euh, que euh, du béton et du gris. Personnellement, je ne peux pas avoir du béton et du gris autour de moi. Ça me prend du vert, ça me prend la montagne. C'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai mis mon centre d'entraînement, entre autres à Saint-Julie, parce que Saint-Bruno est à côté, la montagne, Saint-Hilaire. Euh, pour moi, la montagne, c'est quelque chose qui m'attire énormément et qui me parle à plusieurs niveaux. Et ce qui me parle, ce matin, e c'est mon, mon deuxième café. Oh yes, oh yes. Merci beaucoup à Mademoiselle Café de supporter nos efforts ici à Deux Cafés avec Sensei. Um, ça booste mes jokes, ça booste mon hyperactivité à 7h30 le matin pour essayer de éduqué de façon euh, divertissante toujours et quand on dit éduquer c'est en toute humilité de pouvoir peut-être simplement instiguer ta curiosité à aller plus loin comprendre les choses ensemble on grandit à deux cafés avec Sensei on apprend des nouveaux trucs c'est ça qui est cool et ce qui est cool aussi avec les deux cafés de Mademoiselle Café c'est Caro euh, à sa brûlerie ici à Sainte-Julie et son équipe prennent le temps d'importer les meilleurs cafés d'à travers le monde euh, et de faire des mélanges des mélanges de, de, de différentes saveurs, de faire des tests, et ce qui donne à la fin un café mélangé qui est tout à fait euh, authentique. Je prends souvent l'image du vin, c'est la même chose. Tu vas souvent sur des bouteilles de certains vignobles, euh, un mélange de Malbec, de Cabernet Sauvignon, et euh, d'un de, 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 autre, tiens, j'ai du Cabernet Sauvignon. Euh, sortez-moi sortez un page sortez-moi on en a plein. On en a plein, et là, pour l'instant, ça m'échappe. J'ai dit Malbec, j'ai dit Cabernet et je vais dire Souvignon. Voilà, on est, là, on est là, les trois. Bravo Pascal, je suis un unologue. Euh, pareil que c'est des fans de vin. Mais c'est la même chose, donc c'est différentes sortes de cafés. Mélange ensemble dans des quantités vraiment calculées. On goûte, non, ah, il manque ça, on rajoute quelque chose, on goûte, hey, ça c'est bon, on va le nommer le rock and roll, c'est terminé et c'est authentique et exclusif à Mademoiselle Café. Euh, c'est une expérience gustative à chaque fois que tu vas euh, déguster un café chez Mademoiselle Café. Et euh, commande-les en ligne, ils peuvent euh, envoyer leur, euh, leur saveur à travers le Canada et profite de notre code promo SpartanFit. 10, tu utilises l'URL spartanfit.link mademoiselle café. Tu n'as pas eu le temps de le prendre en note? Ah, gars, quand on est fin. Spartanfit 10 avec l'URL spartanfit.link mademoiselle café. Sincèrement, essaye-le. Euh, moi, c'est ce que j'ai dans ma tasse à tout et deux cafés avec euh, Sensei. Puis je trouve ça vraiment cool parce que je fais une rotation dans les saveurs que Caro et son équipe nous ont euh, proposées. Et euh, c'est une expérience différente à chaque semaine. Puis on voit les différences. C'est ça qui est le fun assez un matin une saveur assez l'autre matin l'autre saveur puis assez de voir la différence du, du goût c'est vraiment une expérience gustative qui est vraiment vraiment cool il y en a autant pour les amateurs de café corsé que pour les, les amateurs de café un peu plus doux mademoiselle café it's on de grosses coche comme les les conclusions de notre euh, étude ici avec l'université de Stanford sur les effets du, euh, de la randonnée sur le cerveau quelles sont ces conclusions les voici il oh, va falloir que ça monte cette affaire là as un petit peu on va t'organiser ça. On va t'organiser ça, mon ami. Hip, 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 hip. Et not scroll. Et scroll, tu ne veux, veux pas. Elle veut pas, elle veut pas pourquoi, pourquoi tu ne veux pas lever, mon ami? Un peu. On va te faire ça comme ça. Ça va-tu marcher? On en faut un petit peu plus. Ah, voilà. Voilà. On est bien cadré. Tout va bien ce matin à deux cafés avec Sensei. Nous sommes des professionnels. C'est fait en tout contrôle. Donc, les conclusions. Euh, l'urbanisation et la diminution induite des opportunités d'expérience en nature. Il manquait un petit, euh, un petit, y a un petit ici. C'est important. La syntaxe, les amis, dans nos deux cafés ici. Voilà. Donc l'urbanisation, donc la diminution induite des opportunités d'expérience en nature, c'est pas là. que Tu le mets ton tiret 9, 8 de tiret. Qu'est-ce qu que tu écoutais matin sur euh, sur là, YouTube Elle euh, a parlé de cerveau de tiret puis de fenêtre. <laughs> <laughs> Donc, l'urbanisation et la diminution induite des opportunités d'expérience en nature qui est itinérante plus que l'urbanisation s'étale ou s'intensifie quand on, on pense à, par exemple, éradiquer un parc pour euh, euh, faire le, le montage à un nouveau complexe de condos, donc le contact avec la nature qui est diminué par rapport aux citoyens, aux individus qui, qui, qui vont être dans ce voisinage, euh, ça pourrait être lié, donc cette urbanisation liée à une mauvaise santé mentale. Euh, parce que, c est, c est, c est, c est, comme on l'a démontré aujourd'hui, les, environn les environnements naturels offrent des bénéfices psychologiques aux individus. Ça, c'est prouvé. Et il y a un état global des, des études qui demandent à être poussées un peu plus. Et euh, dans ces, euh, ces études-là, on parle d'études souvent sur les environnements réparateurs euh, qu'on va un peu plus pousser à deux cafés avec CNC. Ce n'est pas la dernière fois qu'on va se parler euh, de nature, randonnée en nature, l'expérience naturelle et l'effet sur la psychologie et le cerveau. On va en reparler pour sûr, mais présentement ce que les chercheurs de l'université de Stanford euh, viennent à dire dans leurs recherches aux autres et euh, un peu leur, leur surveillance ou leur son après avoir sondé l'état du, du savoir actuel sur les environnements réparateurs, c'est que les individus choisissent leur environnement préféré pour récupérer et ces environnements là sont majoritairement naturels mais non exclusifs. Donc ça peut être propre à chaque personne. Il y a des gens qui vont choisir un milieu urbain pour X raisons, mais la majorité vont choisir un environnement naturel. Ces environnements là qui possèdent généralement des qualités esthétiques sont choisis pour leur qualité esthétique comme des panoramas, l'absence de bruit et de distractions sonores. Donc c'est ce sont les les euh, les aspects, les caractéristiques qui sont recherchées dans le choix d'un environnement réparateur. Qualité esthétique, euh, pour la nature, c'est les panoramas, l'absence de bruit et de distraction sonore. Les environnements naturels qui aussi euh, produisent des effets récupérateurs, comme à travers la fascination légère. Je trouve ça vraiment cool comment on, on, on a ici euh, mis des noms ou euh, qu'on a fait une nomenclature sur les phénomènes psychologiques. Qui sont liées à l'expérience naturelle, c'est-à-dire la fascination de les légères. Euh, tu te promets, je, je peux le parler par, pour moi-même, c'est effectivement des phénomènes que, euh, que j'expérimente je, que je, que je, que à chaque fois que je vais en randonnée. Je suis un randonneur euh, euh, expérimenté, sans, euh, sans toute humilité. Pourquoi je dis ça Parce que ça fait des années que je fais de la rando parce que j'ai fait énormément de montagnes dans ma vie. C'est une activité que j'adore, que je pousse mes limites à chaque fois. Euh, je pense avoir atteint un, un, un niveau où je pourrais être guide de rando. C'est pour ça que je dis ça. C'est vraiment juste par l'expérience. J'en ai fait énormément et j'en fais toujours en poussant mes, mes limites. Donc, c'est pour ça que je dis du côté de mon expérimentation en randonnée pour que ça m'ait arrivé souvent. Euh, la fascination légère de juste se sentir bien, se sentir ces petits « wow » juste à la vue d'une rivière cool euh, sur le bord d'un sentier. Tu tournes un coin, tu vois un beau pont euh, qui a été euh, fabriqué par euh, l'organisation qui prend soin des sentiers, euh, que ce soit le Green Mountain Club ou euh, « whatever euh, ». Tu, tu tournes un coin, tu vois un, un beau… Euh, pas moins un, une paroi de montagne rocheuse. Il y a, il y a tellement de. Hey, je pourrais te faire un panorama de photos, sérieusement, de moments où j'ai fait wow pendant mes randonnées. C'est tout le temps des surprises parce que souvent, quand tu fais des, des nouveaux sentiers, des nouvelles montagnes, tu ne sais pas à quoi t'attends. Tu as peut-être fait une recherche préalable juste pour savoir un peu les sentiers, valeur à quoi, le sommet, question d'orientation, pas nécessairement euh, euh, du côté de te, de te spoiler des, euh, des surprises. Um, mais ça, cette fascination légère-là, ça fait effectivement partie de ton expérience en randonnée, pour sûr. Euh, et je trouve que ça entraîne l'esprit, ça entraîne l'individu aussi à se contenter de peu et à se fasciner. Euh, je pense que c'était une faculté qui, malheureusement, plusieurs adultes perdent avec les années, comme si la fascination était une expérience euh, infantile, euh, exclusivement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Au contraire, on devrait continuer à se fasciner pour toute notre vie. Ce qu'on dit à euh, garder un cœur d'enfant, je pense que c'est garder en fait nos capacités à se fasciner facilement. Ah, si tu avais des partiels ce matin, dire fasciner facilement, c'est tough. <laughs> ah, voilà. Et pourtant, c'est vrai, j'ai juste deux cafés dans le corps. Mais quand on me parle de, de la nature, quand on me parle de la randonnée, moi, ça vient elle me chercher, là. me chercher ici. Là, on parle d'arbres et hein. des petits écureuils. Ah, les petits Suisses sur le bord des sentiers. <laughs> Maintenant, c'est du béton, l'urbanisation qui nous aliène les individus. Maintenant, c'est du béton. Ah, ça fait deux fois de la chance sur, sur deux cafés. Exactement. Merci François Perus pour l'inspiration. Donc fascination les gens, je trouve ça vraiment cool. Euh, et c'est vrai que c'est lié à l'environnement naturel. Si toi, ça t'arrive, tu fais de la rando, tu te promènes en parc, tu as ce sentiment de fascination-là, laisse-le dans, dans les commentaires, laisse-moi dans le chat tes impressions, qu'est-ce que ça t'apporte la, la rando, prends le temps de chatter un petit peu et si euh, es cette vidéo-là, aujourd'hui, ce matin, t'as autant soit peu euh, diverti ou appris quelque chose, n'oublie pas de laisser un, un, un thumbs-up et pour ne pas euh, manquer les vidéos, les choix de deux cafés de, café, euh, de sujets, de deux cafés avec Sensei qui s'en viennent, les vidéos de fitness qu'on donc, on met des vidéos de course à obstacles. Tu peux t'inscrire également à la chaîne immédiatement. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche. La petite cloche est importante pour ne pas que tu manques rien du tout du contenu qu'on va publier sur notre page. Donc, dans euh, les effets récupérateurs qui vont se joindre à la fascination légère, euh, il y a le sentiment d'appartenance à la nature. Donc, ça vient contrecarrer l'aliénation qui est en milieu urbain. C'est austère. You don't feel like you belong. C'est euh, un affrontement entre toi et la trame urbaine. Um, et c'est un sujet. Si tu as écouté le live, tu as vu euh, en prémisse de, de, de rentrer en direct sur YouTube, on me met tout le temps un, un extrait à peu près cinq minutes. Um, du podcast anglophone, le Sensei 16 podcast, que tu peux trouver sur YouTube et toutes les, les plateformes euh, audio. Um, et je t'invite à t'y euh, inscrire. Il y a plusieurs épisodes hyper inspirants avec des gens extraordinaires que tu peux consulter dès maintenant. Mais surtout avec Samuel Campo, qui est un gars de Blainville, que j'ai rencontré à Banff euh, l'été passé, euh, lors, euh, encore une fois, d'un road trip pour aller euh, hiker les rocheuses et aller approfondir mes connaissances en entraînement fonctionnel. Parce que quand je voyage, je vais dans des gyms, c'est le fun, c'est le fun. Mais Samuel est un gars, un, euh, hyper tripant, hyper sympathique. Ça a été une rencontre super cool sur Banff Avenue. Une entrevue très drôle euh, qu'on a mixé des jokes de Wayne's World dedans. Sérieusement, va la voir. Je l'ai mis en lien dans la description. Euh, très, très le fun, euh, cette, euh, cette entrevue avec, euh, avec Samuel. Mais ce qu'il ce qu disait dans. Et on a philosophié sur euh, la randonnée. Ce qu'il disait, il a très raison, c'est que tout le monde. Il n'y a jamais personne que tu croises en rando, en montagne, qui est comme ça. Moi, je ne peux pas y aller. <laughs> Moi, je marche qu'au sommet, c'est difficile. Ça fait, fait 10 heures que je boude, mais je marche pareil vers le sommet. <laughs> ça arrive pas. Mais ça arrive comme 70 millions pour cent du temps que tu vois ces faces-là quand tu traverses une rue dans le centre-ville de Montréal. Hein? Tout le monde a l'air malheureux et, euh, et complètement triste. Et misérable à traverser euh, à la rue, euh, tout pressé pendant cette canicule du mois de juillet, en plein milieu de leur fin de chiffre vers 3h37. Mais ça n'arrive pas en nature. Tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, tout le monde est dans son élément. Euh, tu ne vois que des sourires, tu peux faire des, des très, très belles rencontres, des fois vraiment au hasard et très weird. Mais euh, ça m'est arrivé tellement plein de fois de rencontrer des gens hyper tripants. Um, en randonnée, en montagne, si je pourrais vous, vous, vous raconter tellement la dernière fois, quand justement, je suis justement allé à Bemp. Euh, quand je suis allé à Banff, monter Cascade Mountain, qui était euh, sur ma bucket list, Cascade Mountain, c'était déjà été à, à Banff. C'est la grosse montagne que tu vois euh, dans les cartes postales, là, euh, qui va couronner Banff Avenue. Euh, elle, elle est énorme, elle est énorme, elle, elle, elle est très belle. Et malheureusement, je suis allé souvent dans les, euh, les Rocheuses, puis ça n'a jamais adonné à cause de la saison que je puisse la monter. Euh, puis l'été passé, je me suis dit, garde, ça fait 3-4 fois que je vais dans les Rocheuses en automne. Là, ça fait je vais aller voir les Rocheuses l'été et que j'en ai profité. Et monter cette montagne-là était absolument extraordinaire. Une belle aventure que je, euh, que je conseille à toute personne. Il faut avoir un bon niveau d'activité, un bon niveau de conditionnement physique, une, un bon niveau d'expérience, par exemple. C'est pas une montagne facile, c'est du 10-12 heures. Euh, c'est assez euh, exténuant. Donc très physique. Euh, sois prêt et euh, c'est pas une montagne pour commencer à monter. Euh, ça, c'est mon conseil bien humble également. Mais je suis au sommet et j'entends parler français. Et là, je me retourne et il y avait, euh, il y avait deux, euh, deux, deux jeunes hommes. Pourquoi deux jeunes hommes Parce que moi, moi, je suis le doyen. Je suis le doyen à cette heure, ça. Le vénérable du sommet. J'arrive en haut avec deux piles d'alin. De je lui demande à laquelle la plus douce, selon toi Il me regarde croche, mais ils peuvent, pas, ils peuvent pas se sauver. On est dans un sommet de montagne. Tu vas aller où Fait que devine ta lessive puis descends. <laughs> hey, sérieux, je pense que je le fais la prochaine fois. Voir la face du monde. Hein? C'est sûr, ça va être la première fois de l'histoire de leur vie que quelqu'un monte. Oh, à un peu. Ils pensent tu vas sortir genre, une barre Cliff. Tu veux-tu de veux, tu la bouffe? Tu sandwichs? Tu sors deux grosses serviettes. Laquelle est pour toi la plus soyeuse? <laughs> C'est une joke de d'Olympe, la lessive de Dieu. Fait que voilà, douze travaux. Mais j'arrive au sommet, j'entends parler français, je me retourne, puis il y avait effectivement deux, euh, deux jeunes hommes. Euh, Cédric, entre autres, qui est euh, encore un, un ami euh, à moi. Euh, c'est très drôle, il y en a un des deux qui venait de Beauport. Beauport, c'est en banlieue de. Ben, c'est à côté, c'est en banlieue. Oups, on va partir un débat. <laughs> Parce que Charlebourg contre Beauport, t'as comme. Hum, en tout cas, quand t'as joué au baseball, Charlebourg contre Beauport, t'as tout le temps de belle rivalité. Moi, je viens de Charlebourg à Québec, c'est un peu plus dans le nord. Euh, Beauport, c'est plus euh, proche du, euh, du fleuve. Euh, et quand. C'est tellement drôle que deux personnes qui ont peut-être grandi ou qui sont nées dans les mêmes endroits ne euh, se sont jamais croisées, mais se retrouvent au sommet de la même montagne dans l'Ouest. C'était vraiment cool, euh, très sympathique les, les, les jeunes hommes. Et Cédric euh, est un photographe hyper hyper compétent qui a pris parmi les qui a été très généreux, qui a pris mes photos sur le sommet. Ça fait encore partie aujourd'hui des meilleures photos qu'on m'a prises. De... Ça prend du talent à faire bien paraître ce face là. Ça prend du talent. Alors Cédric, t'en as beaucoup. Bravo. Euh... Mais c'est ce genre de rencontre-là que tu fais, des gens qui sont ouverts d'esprit, des gens généreux, des gens joyeux. C'est pas le genre de rencontre que tu fais en plein milieu du trafic. Euh, tout le monde est stressé, tout le monde est gris. Ah, j'ai fait un exposé. Évidemment, c'est très imagé, mais je, je suis certain que tu as compris euh, l'essence du, euh, du message, le sentiment d'appartenance à la nature. <laughs> je suis parti de là, j'ai fait tellement <laughs> un détour monumental. Mais euh, le sentiment d'appartenance, on l'a automatiquement avec la nature. C'est instinctif. Ça fait partie de la nature humaine. Et euh, c'est très, très facile quand tu n'as euh, qu'à faire un 45 minutes, une heure de route ramasser quand tu es dans la région de Montréal à Magog, quand dans la région de Québec, d'aller dans le bout de Charlevoix pour te sentir dépaysé, te sentir à l'étranger. Euh, moi, j'adore faire la route pour ça. Quand je sais que je m'en vais quelque part, c'est un moment méditatif pour moi. C'est là que je vais, entre autres, prendre, lire, euh, en fait, écouter des audiobooks, prendre des notes, réfléchir sur moi. C'est un moment où je décroche. Vraiment, tu décroches facilement euh, et encore de manière plus efficace quand tu es en nature et en randonnée. La, la nature qui produit des distractions. Fait que où la nature en produit? Il y a des distractions négatives, il y a des distractions neutres et il y a des distractions positives. La nature produit des distractions positives qui sont capables de diminuer le niveau de rumination et d'émotions négatives. L'activité réduite du PFC euh, qu'on a euh, étudié euh, tout à l'heure. Donc, euh, la région du cerveau, je vais te le remontrer parce qu'on l'a perdu un petit peu euh, tout à l'heure, du cortex préfrontal euh, ventro-médian, le PFC que l'on a vu euh, plus tôt dans euh, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, cette activité-là pourrait être aussi parallèle à celle du cortex singulaire antérieur, le PAAC. Donc, tu as une autre image ici. Tu le vois, c'est encore à l'avant, une autre région du, euh, du cerveau qui euh, est liée à euh, l'évolution de la santé mentale. Et c'est une région qui est plus sensible au stress chez les individus nés en milieu urbain. Donc, ça revient au, euh, au dire, à la citation de l'étude de Stanford, euh, à savoir que d'être né en milieu euh, urbain nous rend plus sensibles au stress vis-à-vis -vis, euh, un upbringing, une, une enfance faite dans un milieu euh, rural. Et cette région-là, en fait, l'interactivité du PACC avec, entre autres, la, 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 le cortex amygdalien du, du cerveau qui est lié à certaines maladies mentales comme la schizophrénie, la bipolarité, et c'est aussi un prédicateur du niveau d'anxiété. Donc, c'est… Ce, ce sont le, un, 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 les, les niveaux des études, le niveau des connaissances qui risquent, qui, euh, qui risquent d'être euh, agrandis dans les prochaines années, mais on peut voir déjà une corrélation intéressante pour dire qu'on devrait rechercher davantage dans cet axe-là, il semble avoir une corrélation entre ces cortex du cerveau et l'expérience en nature qu'on pourrait lier au développement ou à la réduction des maladies mentales ou des émotions négatives et les découvertes que euh, l'équipe de Stanford a faites sur le PFC qui pourrait justement être lié au processus neurologique de la tristesse, du remords, de la culpabilité et autres émotions négatives. Il y a aussi l'activité hormonale comme la sécrétion de dopamine qui pourrait jouer un rôle dans l'expérience bénéfique en environnement naturel. Et tout ça, oui, c'est pour stimuler euh, la recherche poussée dans ces axes. Euh, très précis de l'expérience en nature vis-à-vis -vis, euh, des euh, régions très précises et des processus neurobiologiques très précis du cerveau euh, comme j'en ai parlé avant sur certains points euh, en neurosciences le cerveau est extrêmement complexe euh, c'est l'aspect du savoir humain le moins développé et le plus important euh, on peut passer un humain peut passer une vie euh, étudier une région minime du cerveau. Là, on parle d'une micro-tranche, d'un micro-millimètre. Euh, euh, c'est extrêmement complexe. Une galac Le cerveau est l'univers. Le cerveau est une galaxie. C'est aussi complexe que ça. Ça a l'air facile, genre il oh, y, y a un bout de vert, il y a un bout de mauve, mais ça, c'est vraiment hyper simplifié. Si tu t'intéresses aux neurosciences, autant soit peu, tu sais à quel point c'est d'une une infinie complexité qui doit être hyper simplifiée dès qu'on commence à en discuter juste pour l'effort de la discussion. Donc, mais l'application de tout ça, parce que c'est, comme je l'ai dit encore une fois, c'est hyper complexe, euh, L'application de cette étude de, euh, des chercheurs de Stanford sur euh, l'expérience en nature qui bénéficie euh, l'expérience psychologique des êtres humains, c'est d'améliorer l'incorporation de la nature dans les conceptions urbanistes. Donc, dans, dans, euh, dans les prochaines, les prochaines années, dans, euh, où, où de revoir les trams urbaines comme ils sont faites présentement ou de privilégier, par exemple, euh, pour la qualité de vie de, de nos concitoyens. Euh, de privilégier le développement d'espaces verts en milieu urbain, euh, de di peut-être diminuer euh, l'approbation de nouveaux développements euh, urbanistes ou domiciliaires ou résidentiels ou euh, commerciaux pour vraiment prendre en compte euh, l'aménagement d'espaces verts, l'incorporation de la nature dans les conceptions euh, urbaines. Et là, il y a une ville qui me vient en tête, là, comme ça, là. si vous êtes déjà allé, vous savez de quoi je parle, là. mais Vancouver euh, est extraordinaire pour ça. Euh, C'est euh, quand, euh, quand je suis allé euh, à Vancouver parce qu'il pleut tout le temps. Euh, je, je suis allé de différentes façons, en voiture et en avion, mais je me souviens de la fois où je suis atterri à Vancouver. Où tu sors des nuages, l'avion descend le niveau des nuages et tu vois pour la première fois le panorama euh, aérien de Vancouver. Ce qui m'a sauté aux yeux, ça a été l'incorporation de la nature dans la trame urbaine. Il y a du verre partout à Vancouver. Tu as autant de buildings que tu vas avoir des arbres, des parcs, tu as les montagnes de North Vancouver qui sont extraordinaires euh, dans, dans, dans le background, euh, le, 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 la construction, les constructions d'édifices sont aussi faites de façon vernaculaire, le choix des couleurs, le choix des matériaux, tu vois que c'est pensé en fonction d'une incorporation vernaculaire avec l'environnement. Euh, c'est vraiment une ville. Que je trouve belle dans. C'est quand même la troisième ou sinon la deuxième plus grande ville euh, au Canada. Je pense c'est plus grand que Montréal. C'est Toronto, Vancouver et Montréal. Euh, tu vois que malgré euh, la, la, la masse d'individus, de population qu'il y a à Vancouver, que l'environnement est très bien respecté. Puis tu le vois aussi dans euh, le lifestyle des gens. Leur mode de vie est très intimement lié. À la nature. North Vancouver, Whistler est tellement à proximité, les rocheuses, que ça fait partie intrinsèque euh, du mode de vie des, des gens. Les gens vont euh, faire de la, de la rando, du vélo, ça fait partie de leur mode de vie. J'adore ce mode de vie-là. Oh! C'est la même chose quand tu vas en Californie, d'ailleurs. Quand tu vas en Californie, si tu as eu la chance d'y aller, tu vois que d'être à l'extérieur, ça fait partie du day-to-day. C'est un pas pour qu'on appelle la Californie le Sunshine State. Il pleut quasiment jamais là-bas, il fait tout le temps beau. Ça fait partie aussi du, du pourquoi les gens sont un peu plus mellow, moins stressés euh, en, en Californie de façon générale. Parce que sûr, si tu t'en vas à Los Angeles à plein 3h37 au métro, tu vas trouver la, la, la même morosité qu'ailleurs dans les grands centres. Mais dans la la façon de vivre, je dirais de façon générale, ce que moi j'ai expérimenté, je pense que j'ai eu la, la chance d'y aller quatre fois, euh, c'est un point qui se répétait dans les villes que j'ai visitées. Donc, assez pour dire, euh, ça doit être lié à la, à la nature, le fait que qu'il qu fait beau dehors, les gens sortent, les gens sont heureux quand ils sont à l'extérieur, même chose que j'ai. Euh, vérifier à Vancouver. Fait que ça donne un peu un aperçu euh, un peu plus euh, complet sur les raisons pour lesquelles l'expérience en nature, on se sent bien euh, dans, dans, dans ce temps-là. J'espère que tu as appris euh, des, des choses un peu plus poussées au niveau bio, euh, neurobiologique de, euh, des bénéfices de l'expérience naturelle sur le euh, cerveau. Véro qui, euh, qui nous dit de son côté qu'elle trouve la rando vraiment méditative et euh, je trouve l'inspiration pour les prochains. Effectivement, et ça, ça pourrait être un sujet. Merci beaucoup pour ton, euh, ton commentaire. Et tant mieux si vous trouvez l'épisode de ce matin divertissant <laughs> et éducatif en même temps. Mais euh, ça serait un autre, un autre sujet qu'on pourrait toucher à Deux Cafés avec Sensei, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut euh, inspirer le flux créatif euh, d'un être humain à travers l'expérience en nature. Euh, personnellement, c'est effectivement euh, l'expérience qui me rend le plus créatif sur cette planète. Euh, oui, il y a la diminution où on, on, on va aller purger certaines émotions, certaines pensées euh, en, en nature. Mais euh, quand je vais en nature, c'est sûr que je coupe mon cellulaire, les signaux et tout ça, mais j'amène avec moi un pour des photos, deux pour les vidéos. Mais trois parce que je prends des notes. Souvent, je, je peux arrêter un cinq minutes parce que oups, il m'est venu une idée, il m'est venu Tu sais, le, le, le feeling du light bulb là. Ouh! Ça m'est euh, arrivé tellement souvent en rando qu'il faut que je prenne des notes. Après ça, je vais y revenir euh, et je vais terminer là-dessus. Ça fait quand même un, un bout de temps qu'on qu jase euh, ce matin. Encore une fois, merci à toi d'avoir choisi euh, le Deux Cafés avec Sensei. Ça t'a diverti ce matin. N'oublie pas de laisser un «thumbs up». Mais euh, j'ai aussi une, une entreprise qui est spécialisée euh, dans l'organisation d'expériences, euh, de courses, d'aventures, de courses d'endurance en défi cohésif, Warrior Endurance. D'ailleurs, on revient pour le 6 août 2022 dans la région de Montréal. WarriorEndurance.com si tu souhaites te joindre à nous pour la course d'endurance Alpha 003. Déjà rendu à la troisième édition. Très cool. Merci à tout le monde qui s'inscrit déjà. Mais cette compagnie-là, je l'ai créée pendant une rando au Mont-Saint-Anne à Québec. Donc, euh, ça a commencé à faire mon chemin. fallait que j'aille Dépenser une énergie négative, mes pensées négatives sur la montagne. Puis il y a quelques pentes sur Mont-Saint-Anne que tu peux faire à pied qui sont très exigeantes physiquement. Euh, et je me souviens qu'à ma descente, j'ai fait la conceptualisation de l'entreprise, le nom, le tagline, les principes, le logo. Euh, tout ça, ça a été dans ma tête en descendant. Quand je suis arrivé dans mon véhicule après ça, habituellement, si j'enlève mon linge je suis tout sale puis je me change, j'ai pris des notes sur mon cellulaire pendant à peu près une heure. Euh, J'ai réservé mes réseaux sociaux à un nom de domaine. Euh, J'ai fait plein de travail. là. Euh, il faut que je parle en bien français. C'est n'est pas là, Pascal, c'est Drela. Euh, et ça, ça en était fait. Déjà là, Warrior Endurance, ça voulait tout dire dans son ensemble. Euh, la, le travail d'équipe est important. Euh, et les initiales de Warrior Endurance sont oui. Nous, WE et tout ça a été pensé en descendant la montagne. Ah oh oui, oh, ça, 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 ça! Quand, quand je suis arrivé dans ma voiture, là, ça a fait sur mon solaire. Sur mon Donc oui, je suis absolument raison euh, d'accord avec toi, Véro. Euh, c'est un flux d'inspiration extraordinaire d'aller. Ça, ça, ça libère les esprits. Ça enlève le, le, le poids que tu as sur les épaules, le poids que tu as dans le cerveau. Euh, ça, tu peux au pire, tu peux le, le purger pendant ta montée là, parce que c'est très physique. Tu es rendu en haut, tu prends ton break. La dopamine, la sérotonine commencent à, à être sécrétée parce que tu viens de faire un effort physique important. Tu prends ton petit lunge, blablabla. Bla. Là, tu descends, qui est un, euh, un exercice beaucoup plus de concentration, de stabilisation que physique parce qu'il faut que tu analyses ton chemin. Euh, c'est moins physique... Mais c'est plus technique. Là, je pense que ça donne place à l'esprit d'être créatif, de rentrer dans son flux de création et d'être concentré là, sur autre chose que l'effort physique. Donc euh, merci à toi, Mathieu. Merci à toi. Merci à toi. Et je m'excuse pour mes dents. Béro, pour ton commentaire ce matin. Merci à vous pour votre patience sur mon hyperactivité <laughs> matinale et euh, mes quelques ruminations de bouche parce que mon dentiste n'a pas de bonne place. Merci encore à Mademoiselle Café. N'oublie pas de partager cette vidéo si tu veux inspirer quelqu'un, de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer du contenu qu'on va publier à, euh, de façon régulière sur le fitness, course à obstacles, psychologie, critique de livres, euh, de croissance personnelle. Là-dessus, on prend un petit break on se revoit la semaine prochaine.